Alors, bonjour, bienvenue au webinaire qui traitera des nouvelles recommandations d'espace dans le vache-veau. Alors, le conférencier ce soir est M. Alain Gagnon, ingénieur, qui a travaillé plusieurs années au MAPAC et qui est maintenant consultant. Alors, je laisse la parole à M. Gagnon. C'est à vous, M. Gagnon. Merci. Merci, Nathalie. Fait que ma conférence, comme Nathalie l'a mentionné, va porter sur les recommandations d'espace dans le vache-veau. En fait, tant qu'on parle de recommandations d'espace de logement, je ne parlerai pas seulement de surface d'élevage totale, mais je vais spécifier ce que ça prend en aire de couchage, en aire d'alimentation et d'exercice, et aussi les longueurs de mangeoires par tête, qui est aussi un facteur important là, pour la productivité. Bien sûr, tant qu'on parle d'espace de logement, ben c'est différent selon le type de logement où les animaux sont logés, justement. Fait que, au Québec, on rencontre trois types de logements: les anciens bâtiments laitiers où les animaux sont attachés, les étables froides où les animaux sont en stabulation libre, et les enclos d'hivernage extérieurs là, où les animaux aussi sont en stabulation libre. Chacune de ces aménagements, comme j'ai dit tantôt, là, a ses normes d'espace. Pourquoi des nouvelles recommandations sur l'espace qu'on devrait donner aux animaux? Ben, c'est parce que les données qu'on avait en termes d'espace, de logement, surtout pour les étables froides, étaient très désuètes. Okay? Ils dataient des années 70-80. Ça n'a pas été renouvelé, en tout cas, du moins en Amérique. Il y a peut-être juste l'État de l'Iowa où ce qu'on voit aussi beaucoup de bâtiments froids fermés, où il y a des troupeaux vache-veau qui sont élevés à l'intérieur. Mais mis à part ça, c'est à force de faire des recherches qu'on a trouvé ça, mais mis à part ça, on sait bien que les élevages vache-veau, ça se passe au pâturage, puis ça se passe dans des parcs ou en tout cas dans des enclos d'hivernage ou juste en pâturage puis alimenté au pâturage même l'hiver. Fait que, il n'y avait pas grand nombre, il n'y avait pas aussi un grand désir de recherche. Fait qu'on est allé voir ailleurs, on est allé plus en Europe où c'est plus commun de garder des troupeaux vache-veau à l'intérieur. Et c'est aussi pour répondre à la tendance bien-être animal. Comme on avait des normes qui étaient désuètes, qui étaient souvent trop petites, ben il fallait quand même mettre ça à jour. Okay. Puis en plus, au MAPAC, on avait un programme de soutien à l'investissement. Ce programme de soutien à l'investissement-là, ben il demandait qu'on soit aux normes. Fait qu'il fallait bien mettre les normes à jour également là, pour répondre au programme. Bon. Tout ce que je vais donner comme recommandation d'espace, de longueur, de dimension, ça fait référence à trois documents. Okay? Un premier document, c'est un document qui a été produit par Valecta, qui s'appelle Solutions pratiques pour offrir de l'exercice aux bovins laitiers biologiques pendant l'hiver. Bon, on voit que le titre n'a rien à voir avec l'espace, mais en annexe, on retrouve justement, vu qu'on parle d'aménagement dans ce document-là, on retrouve tout ce que ça prend en termes d'espace pour aménager une surface d'élevage. On va trouver les dimensions des stalles pour des étables à attache. On va aussi trouver tout ce qui concerne les étables à logettes. Bien sûr, c'est spécifique. C'est spécifique. Ça a été produit pour les bovins laitiers, mais on s'entend, bovins laitiers, bovins de boucherie, pour même dimension d'animal, ça prend les mêmes espaces. En stabulation libre, bon, on va trouver, c'est ce qui a été fait, qui a été produit en 2019 par le MAPAC, on va trouver un tableau de référence. On ne trouvera pas un document, on va trouver un tableau de référence qui est une mise à jour justement des dimensions d'aire de couchage, d'allée d'alimentation et de longueur de mangeoire. Ça, je vais y revenir tantôt de manière plus précise. Et enfin, pour ce qui est des références, au niveau des enclos d'hivernage, on va retrouver ça dans le guide d'aménagement alternatif en production bovine. Bon, on a produit un en 2014. Cette année devrait sortir la deuxième édition où ce qu'on a aussi ajouté un peu les dimensions des enclos. Okay, on a précisé certains points, là, les surfaces totales, entre autres, là. Puis, il est plus complet encore. La prochaine édition va être encore plus complète dans ce sens-là. Il y a plus de tableaux, plus de données sur l'espace consacré aux animaux. Bon, si on vient au premier document que j'ai parlé tantôt pour les étables à attache et logettes, que c'est le document, la page type du document. Puis, si on va dans les annexes,
On voit comment qu'ils sont faites, comment on réussit à dimensionner les logettes et les stalles. Avant, c'était fait à partir du poids de l'animal, mais c'est pas parce qu'un animal est pesant qui est fait. L'animal pesant peut être long et de fait allongé ou il peut être très, très plus court. Fait que ça ne prendra pas nécessairement le même espace. Fait que les chercheurs ont trouvé une vraie corrélation entre les dimensions qu'on devrait donner en aire de couchage ou en logette ou en stalle et la hauteur et la largeur des hanches. Il y a plus de corrélation avec ça qu'avec le poids de l'animal. Fait que toutes les données qu'on va voir qui spécifient, en fin de compte, les dimensions des stalles et des logettes sont faites à partir de la largeur des hanches et la hauteur des hanches. La largeur des hanches et la hauteur des hanches. Ici à gauche, on a une stalle à stabulation entravée pour les étables à attache. Puis à droite, logette. Bon, ben les logettes, bon, c'est que des animaux à bœuf, il n'y a pas beaucoup de logettes. Puis même les étables à attache, il n'y en a quand même pas beaucoup au Québec. C'est quand même la majorité, ça reste encore les étables froides puis les enclos d'hivernage pour garder des animaux durant l'hiver. Fait que, bon, je vais donner un exemple, OK, d'étables à attache. Les hauteurs que j'ai, les hauteurs des hanches puis la largeur des hanches, c'est produit à partir de, j'avais des données de vaches laitières parce que c'est ça qui avait été, les recherches avaient apporté là-dessus. Mais si on prend une vache moyenne, une vache moyenne à bœuf, la largeur aux hanches, on peut donner à peu près 22 pouces de largeur aux hanches, la hauteur des hanches à peu près 54 pouces. Fait que si on applique par exemple les formules, on va voir que la distance entre la barre d'attache, OK, puis le bord du dallot, c'est environ 79, mettons, 80, à peu près 80 pouces. Là, OK? Fait que 80 pouces, 79 pouces, on parle d'à peu près 6 pieds et demi, un peu plus. Là. La longueur de la stalle, OK? La partie là, en arrière du poteau, là, en arrière de la bavoire, si on pourrait dire. Là. Bon, on parle de 65 pouces. On parle de 5 pieds, 5 pouces. Là. Si l'animal a besoin de ça pour se lever et se coucher. Là. Fait que, ensuite, c'est la hauteur de la barre d'attache. Bien, la hauteur de la barre d'attache, ça représente environ 70 à 80 de la hauteur des hanches. Donc, 0.7 à 0.8 fois la hauteur des hanches. Ça représente une hauteur de entre 38 et 43 pouces. On peut dire souvent 41 pouces, là, la hauteur de la barre d'attache, c'est une belle hauteur. Puis la largeur de la stalle, bien, elle est basée sur la largeur des hanches. Fait que deux fois la largeur des hanches plus 6 pouces, ça donne la largeur de la stalle. La largeur de la stalle, pour une vache moyenne, on est à 50 pouces. Okay? On est un peu plus qu'à 4 pieds. Mais mettons, on va dire 4 pieds. Il y a des anciennes étables laitières, il y a beaucoup d'anciennes étables laitières qui n'ont pas ce 4 pieds-là, les vieilles étables. Les étables qui ont été récentes, qui sont récentes, ils ont à peu près toutes au moins 4 pieds de largeur. Fait que normalement, ce qui a été fait dans les années 80-90, une étable laitière, 90-2000, il y a déjà, c'est une étable à attache, il y a déjà les bonnes largeurs pour mettre des vaches à bœuf. Mais ça se peut que les vieilles étables, on n'ait pas cette largeur-là. De toute façon, les animaux vous le disent. S'il y a un animal qui reste debout à peu près tout le temps, tant qu'une qui est couchée, c'est parce que ça manque d'espace. Bon, les espaces, on va voir aussi des spécifications sur les allées, mais là, c'est plus par rapport aux logettes. Puis on voit aussi bon, les divisions des données aussi sur les stalles pour les séparations des stalles là, dans une étable à attache à droite. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que je vais revenir sur d'autres, sur les espaces à la mangeoire, je vais revenir là-dessus avec le fameux tableau que je vous parlais tantôt. Bon, justement, on va bientôt y arriver. Ce que je vais expliquer, c'est comment on est arrivé à produire le tableau. Bon, le plan d'étape froide, on a ici, on a une vue en coupe, là, toujours même chose, mangeoire, allée de grattage, aire de couchage dans le fond. Si on regarde la vue en plan, bon, sur la vue en plan, bon, c'est ça. Tous les modèles sont à peu près produits de la même façon, qu'on soit en Europe, qu'on soit n'importe où. Tu as un aire de couchage dans le fond, tu as une allée d'alimentation, une aire d'alimentation qu'on appelle aussi allée de grattage ou surface d'exercice. Okay? On ne sert pas de l'aire de couchage comme exercice, mais il faut que ce soit un autre. On veut pas la salir, l'aire de couchage. Fait qu'on évite que les animaux passent régulièrement dedans, mais juste pour aller se coucher. Puis, on a la mangeoire. Tant qu'on parle d'aire d'élevage, okay, c'est la partie qui est en rouge. On n'inclut jamais la mangeoire.
dans une aire de vache. De toute façon, les animaux ne se tiennent pas là. Puis une mangeoire, c'est variable. Ça peut être une mangeoire, ce que le tracteur circule, elle va avoir peut-être 14, 18 pieds de large. Un autre, que c'est juste un petit soigneur, bien, elle peut avoir même juste 8 pieds de large, 6 pieds de large. Fait qu'on n'inclut jamais la mangeoire tant qu'on parle de surface d'élevage. En Europe, ils vont parler d'aire de vie. OK, non pas seulement aire de, on va voir ça souvent, aire de vie et non pas aire d'élevage. Puis dans l'aire d'élevage, ben, il y a une partie pour se coucher, pour les animaux se couchent, une aire de couche. Puis il y a une partie que c'est pour l'exercice, puis pour que les animaux aillent à la mangeoire. OK? Fait que. Ben, là, comme je vous ai dit tantôt, les seules normes à jour qu'on a vues, qu'on a pu. Il y en avait aux États-Unis, mais plus pour les parcs à bœuf. Il y en avait un peu pour. Mais il n'y avait pas de bons documents dans l'Iowa que j'ai vus sur les dimensions, sur les espaces. Alors que du côté européen, du côté français, il y a plusieurs documents, dont celui que je vais vous présenter, là, qui est vraiment très bien bâti, facile à. C'est très imagé. Puis, il présente aussi plusieurs modèles. Vous allez voir, il présente 10 modèles d'aménagement. On peut choisir celui qu'on préfère, mais là-dessus, il y a 8 modèles que c'est sur air paillé. OK? Ça a l'air d'être très populaire. Là. Moi, je ne suis jamais allé en Europe pour aller voir ça. Là. Mais ils ont des air paillés. Puis, il y a seulement 2 modèles où ce que c'est des allées de grattage. Le reste, c'est air paillé. 100% de l'air d'élevage était en air paillé. Puis, avec quai. J'ai expliqué c'est quoi le quai, ce qu'on ne trouve pas ici. Là. Un quai qui est ajouté à l'air paillé. Puis même avec des surfaces grattées, ils rajoutent un quai la plupart du temps. Pas toujours, mais ils rajoutent un quai. Fait que nous autres, on va aller voir les modèles D et I, okay? C'est-à-dire un aire de couche paillée, une allée de grattage. Puis un modèle, c'est des veaux qui sont intercalés parmi les vaches. C'est des parcs à veaux intercalés parmi les parcs à vaches. Okay? Puis l'autre, c'est des veaux qui sont à l'arrière. Les parcs à veaux sont à l'arrière de l'aire de couchage. Ils sont aménagés à l'arrière de l'aire de couchage. Comme on voit aussi régulièrement. Okay? Fait que ici, le premier qu'on voit, c'est parcs à veaux à l'arrière. Okay? C'est assez régulier. C'est un air, en principe, il était supposé être avec quai selon ce qui était spécifié, mais si on regarde la photo, on ne voit pas quai, c'est comme les modèles qu'on a chez nous, c'est-à-dire une allée de grattage sur le bord de la mangeoire, puis l'air paillé là, qui est au fond. Là. Okay. Si on regarde les dimensions, l'air d'élevage, avec le quai, là, okay, là, qui n'est pas là, mais la surface d'air d'élevage totale, bon, sans la mangeoire, comme j'expliquais tantôt, 167 pieds carrés par vache veau. Moi, quand je donnais des spécifications à l'époque, là, dans les années 2000 et plus, là, parce qu'avant ça, les dimensions qu'on offrait pour les étables étaient encore plus petites que ce que je vais vous dire là. Moi, je donnais 100 pieds carrés par vache-veau dans une étable froide avec le veau, le jeune veau, là, un 0-2 mois, là, un veau, là, un très jeune veau. Bon, ben, avec la vache, 100 pieds carrés. Là-dessus, sur 100 pieds carrés, ça comprenait l'air de couche. Puis l'air d'alimentation. Mais en air de, si on fait le calcul, si on sépare l'air de couche de l'air d'alimentation, ça donnait environ 70 pieds carrés pour l'air de couchage, puis à peu près 30 pieds carrés qui servaient pour aide d'exercice, l'air d'alimentation. Si on regarde ici, l'air de couchage avec les parcs à veaux, là, on parle de 92 pieds carrés par vache veau, et non pas 70 comme je parlais tantôt. Sauf qu'eux autres, la différence, c'est que les données qu'ils donnent, les recommandations qu'ils font en termes de surface, ça comprend un veau jusqu'au sevrage. Fait qu'on parle d'un veau là, que 6-7 mois d'âge, 6-7-8 mois d'âge. Puis pour la place à la mangeoire, ben, toutes les plants sont toutes à 30 pouces par vache. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que chaque vache dans le parc, a sa place à la mangeoire. Il n'y en a pas une qui attend. Ça correspond justement, le 30 pouces, environ à la largeur de la bédaine de la vache. Là. Okay. Bon, selon on le voit, selon on voit bien le quai. Si vous regardez à votre droite, sur la photo, on a la mangeoire. On a un quai d'environ 2 mètres, environ 7 pieds, ça, okay, avec une pente, comme si c'était une stalle, là, okay, sauf sans séparation. Là.
Puis, tu as la ligue grattage qui est plus courte. Celle-là, elle a 10 pieds. Fait qu'on a 10 pieds plus environ le 6-7 pieds à côté. On est rendu à 16-17 pieds de largeur comme aide d'exercice, puis comme aide d'exercice à l'aide d'alimentation. Là. Et à gauche, ben, c'est l'aire de couchage. On voit ici que dans ce cas-là, le fond, les parcs à veaux ne sont pas dans le fond. Si on regarde en bas, sur le plan, les parcs à veaux sont intercalés avec les parcs à vaches. Fait qu'il y a un parc qui a 24 vaches allaitantes, OK? Puis, tu as les parcs à veaux qui sont juste à côté parce que les veaux ont seulement accès. Ça veut dire que les veaux ont aussi accès à la mangeoire en avant. Puis, je sais qu'il y a certains conseillers qui font beaucoup de recommandations dans ce sens-là, que les veaux devraient aussi avoir accès à la mangeoire, commencer tout de suite à manger très jeune ce que les vaches mangent. Okay, ici, on est à 150 pieds carrés d'air total d'élevage. C'est ce que les autres appellent l'air de vie. En aire de couchage, on est à 97 pieds carrés. Puis la mangeoire, bien, on est encore 40 pouces par vache veau. C'est ça, on est encore plus 30 pouces par vache, puis 10 pouces par bois. OK, c'est ça. Il y a 30 pouces. On offre 10 pouces de mangeoire au veau, puis 30 pouces à la vache. Fait qu'il faut mettre plus de longueur de mangeoire dans ce cas-là. On est à 40 pouces total par vache-veau. Là. Tant que les veaux ont accès justement à l'avant à la mangeoire des vaches. Ici, bien là, c'était juste pour vous montrer l'air paillé qu'on retrouve très peu. On voit que le quai. Fait que le quai, il n'est pas sur l'air paillé, il n'est pas gratté, mais de toute façon, le fumier n'est jamais sur le bord de la mangeoire. Il est toujours plus à la queue de l'animal. Bon, fait que. Puis avec une pente, ben, le fumier a tendance quand même à descendre aussi. Que c'est pratique dans des cas comme nous autres, nos hivers froids, où tu as, mettons, un mois de gros gel, que tu n'es pas capable d'aller gratter, puis que le fumier s'accumule en arrière, ça serait à voir. Là. Puis là, on est encore en aire totale d'élevage à 150 pieds carrés par vache veau. Alors que moi, comme je vous l'ai dit, les années 2000, j'étais autour de 100 pieds carrés par vache veau. Puis ça, c'était à force de parler avec les producteurs. Bon, c'est-tu correct? Bon, c'était comme juste correct. Tant que je parlais, il ne fallait pas que les veaux soient gros. Puis c'était pas tassé, mais tu sais, c'était pas lousse non plus. Là. Fait que finalement, on a produit un tableau que vous pouvez trouver sur AgriRéseau. Fait que si vous cherchez recommandations pour évaluer les aires d'élevage, là, vous allez le trouver. Puis je pense que Nathalie va vous envoyer aussi un lien si ça n'a pas déjà été fait pour aller retrouver ce tableau-là. Là, j'ai pris le tableau qu'on avait produit originalement, qui est le même, mais c'est parce qu'on voyait mieux les chiffres. On va prendre des vaches de 600-700 kg, OK? Puis avec des veaux de 50-100 kg, donc des veaux, des jeunes veaux, puis des veaux proches du sevrage, des veaux de 225 à 300 kg. Là. OK? Fait qu'on va regarder les dimensions que ça prend. Si on regarde pour le vache veau, l'aire de couchage, on parle de 68 pieds carrés. OK? Maintenant, juste pour l'aire de couchage, juste pour la vache, OK? Puis, pour ce qui est de la longueur à la mangeoire, on va parler aussi de 30 pouces carrés par vache, la largeur de la vache, finalement, si l'alimentation est restreinte ou si l'alimentation est séparée, vous séparez les grains, si vous donnez du grain, de l'ensilage, ou que vous ne la mélangez pas, vous la mettez sur l'ensilage, en temps normal, on devrait mettre 30 pouces par vache. Si c'est une ration totale ou que c'est juste des fourrages à volonté, bien, dans ce cas-là, bien, on parle de à peu près les deux tiers du 30 pouces qui devrait être en longueur de mangeoire. Ça veut dire que là, on n'a pas besoin d'une place, à la mangeoire par tête. On va dire que s'il y a deux vaches qui sont à mangeoire pendant qu'une qui est en arrière, c'est pas grave parce qu'il y en a à volonté. Okay? Fait que l'autre va finir par manger également. On parle environ toujours à peu près des deux tiers de la longueur, de la largeur d'une vache tant que à la mangeoire, tant que il y a une alimentation volonté ou une RTM. Fait que si on fait un tableau résumé des anciennes normes avec les nouvelles normes, okay, en 2000, je n'ai parlé tantôt, l'aire de couchage, on parlait de 70 pieds carrés, l'aire d'alimentation, 30 pieds carrés, pour un total de 100 pieds carrés. En 2019, avec des jeunes veaux, en France, je l'ai dit tantôt, les normes, ce n'est pas pour des jeunes, c'est pour des veaux
au sevrage. Là. Fait que s'il y a juste des jeunes veaux, parce que par exemple, sont envoyés au pâturage par la suite, il y a le bel âge de printemps, les animaux, il n'y a pas d'animaux plus vieux que ça, il n'y a pas de veaux plus vieux que ça, bien, vous avez besoin d'environ 112 picoristes. Fait que c'est une augmentation par rapport à avant, à peu près juste de 12 %. OK? Fait que on arrive avec. La seule différence qu'on a, c'est que les veaux ont 14 pieds carrés, tandis que tant qu'au sauvage, on leur donne 24 pieds carrés, ce qui augmente, par exemple, l'air total d'élevage à 134 pieds carrés. Donc, environ 34 % au-dessus de 30 % de plus d'augmentation par rapport à ce qu'on spécifiait dans les années 2000. En Europe, en général, on offre 150 pieds carrés. OK? C'est surtout, si vous regardez l'aire de couchage qu'on offre maintenant, était sensiblement la même qu'en France, 92 versus 97 pieds carrés. Ce qui fait la différence, c'est qu'eux autres offrent plus d'aide d'exercice parce qu'il y a un quai. On parlait tantôt, là, en France, on parlait de largeur d'aide d'exercice de plus que 16 pieds, là, OK? Alors que nous autres, nos allées de grattage ont entre 12 et 14 pieds. Maintenant, je vais vous parler d'enclos d'hivernage. Bon, l'enclos d'hivernage, je vais prendre le modèle traditionnel, le modèle de base qu'on trouve dans le guide d'aménagement alternatif. On commence avec, bien sûr, un enclos, l'enclos total, où les animaux sont gardés pendant l'hiver. Puis, c'est un maximum de 120 mètres carrés par vache veau. Bon, ça donne à peu près 1250-1300 pieds carrés. Okay, ça veut dire environ 30 par 40 environ pieds pour chaque couple vache-veau. Puis, pourquoi limiter finalement la grandeur? C'est parce qu'on veut concentrer les fumiers pour être capable de les reprendre et puis aller les porter au champ. On ne veut pas que le fumier reste là tout le temps. Ça va finir par s'accumuler et ça va faire une trop grande concentration sur ces champs-là. Fait que l'idée, avec une bonne régie, avec le principe de la glacière, on est capable d'accumuler le fumier à l'intérieur de l'enclos puis de sortir de là. Fait que donc, on limite quand même la surface d'enclos. Puis, l'autre point, c'est que où sont placées les mangeoires, on devrait toujours, à chaque année, jamais remettre la zone d'alimentation au même endroit. Fait que ça prend quand même assez grand. T'sais. Fait que il y a comme une limite supérieure, mais il y a comme une limite inférieure. Il faut avoir quand même suffisamment d'espace pour être capable de déplacer la mangeoire ailleurs et alimenter ailleurs l'année suivante. L'année d'après, bon, on peut revenir dessus. Là. Mais tout ça est bien spécifié dans le cours là, sur le guide d'aménagement alternatif qui est donné par la Fédération. Là. Bon, ça, la plus grande surface, plus que 75 % de la surface, sur sol, c'est sur sol naturel, puis tant que le sol est gelé ou qu'il est bien sec, que les animaux vont là. Sinon, ça commence à caler, bien, on aménage une aire à portance améliorée. L'aire à portance améliorée, bien, on a enlevé le sol ou on l'a modifié. En tout cas, souvent, on l'a enlevé, on l'a remplacé par du béton, du sable, par des idées de chaud. En tout cas, une surface qui est assez dure pour supporter les animaux, même en période critique, c'est-à-dire les périodes de doutant, déjà du printemps. Puis ça coûte plus cher, fait qu'on limite quand même la surface. On y va, comme on pourrait dire, à l'optimum. Là. C'est-à-dire donner juste assez pour que les animaux soient bien, mais pas trop pour pas que ça coûte trop cher non plus. Là. Puis finalement, la bande filtrante. Pour ce qui est de l'air à portance améliorée, je vais vous montrer un tableau, parce que selon comment est aménagé, y a-t-il des toitures, y a pas de toitures. Ça, je vais revenir avec des données bien spécifiques là. Sur la surface qu'on donne en aire de couchage et en aire d'alimentation dans l'air à portance améliorée. Parce que l'enclos d'hivernage comme tel, bon, on voit la partie d'enclos qui est sur sol naturel, qui est utilisée ici lorsque le sol est gelé. Fait que c'est un aménagement vraiment minimum avec des abravaux. Le même type d'aménagement qu'on voit, mais qu'on voit plus bas, c'est qu'en hiver, les animaux sont dans la partie sur sol gelé. Puis, il y a une petite surface en haut. Donc, on voit qu'il est sous la neige, mais qui est aménagé pour garder les animaux en période critique. Que si on revient, ça, c'est une vue à l'automne de la première année d'utilisation de l'enclos. Que le béton est très propre. Que c'est ce qu'on voit, bien, c'est la dalle de béton. Mais comme c'est sec, okay, puis ça ne cale pas encore, les animaux sont encore dans la partie sur sol naturel. Là. Un peu sa dalle, là, mais la majorité sont sur le sol naturel.
Bon, je vais revenir, on va laisser les spécifications. Il y a l'aire de couche en sable, l'aire pavé. Si on vient à la photo d'automne, OK, les animaux, ben là, ça cale. Pas d'automne, mais je veux dire de printemps. On est au dégel, ça cale sur la partie d'entour en sol naturel. Les animaux sont tous ramenés sur la dalle de béton puis sur l'aire de couchage en sable. Ça, c'est une photo qui date début des années 2000. Aujourd'hui, les dimensions qu'on donne, en tout cas ceux qui ont été faits par la suite, suite à l'expérience des premiers aménagements qu'on avait faits, on a agrandi les dalles de béton et les surfaces de couchage. Bon, ça, c'est un modèle, encore dans le clos d'hivernage. Bon, ça a l'air d'un bâtiment, je donne un état froid, mais en réalité, c'est une aire d'alimentation qui est couverte, OK? Qui est jumelé avec un enclos d'hivernage, qui est à l'arrière du bâtiment. À droite, c'est le bâtiment de service où il y a le corral, là. Mais ça sert d'aide d'alimentation. En fait, ça sert d'alimentation pour les animaux, mais tant que les animaux sont soignés dehors, tant que le sol est bien gelé, ce producteur-là faisait aussi de la semi-finition dans ce bâtiment-là. Puis au printemps, tant qu'il y avait le temps d'hivernage au printemps, la semi-finition était partie, puis... Là, il pouvait faire veiller ses animaux à l'intérieur aussi. Il donnait aussi des packs de veillage et de l'alimentation pendant les périodes de dégel. J'ai parlé tantôt des surfaces, la surface totale. J'ai spécifié pourquoi un maximum de 120 mètres carrés par vache veau, à peu près 1200 pieds carrés par vache veau, ce qui donne pour un troupeau de 75 vaches environ tout près d'un hectare. Là, okay? Donc, à peu près, tout près de 2,5 acres, là, pour un topo de l'équivalent de 75 vaches veaux. Maintenant, si on regarde du côté de l'aire à portance améliorée, bon, elle est toujours séparée en deux, OK, les besoins sont différents, tu as l'aire d'alimentation puis l'aire de couchage. L'aire de couchage, on veut que ce soit un fond plutôt mou, tu sais, du sable, ça peut être du copeau, ça peut être toutes sortes de matériaux quand même qui est confortable. Puis du côté de l'adamantation, on va souvent choisir une aire pavée, une aire bétonnée. Fait que du côté de l'adamantation, les surfaces vont être moindres. Okay? Puis selon qu'elle soit couverte ou non couverte, la même chose pour l'aire de couchage. Si ce n'est pas couvert, on va donner les plus grandes surfaces, okay? Que si c'est couvert. Parce que justement, il y a moins de chances, ça reste plus propre parce qu'il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel, il n'y a pas de précipitation qui tombe sur les surfaces d'élevage. On a besoin de moins de surface. Vous allez remarquer que dans l'aire d'alimentation, je spécifie entre 7 et 8 mètres carrés par vache veau. Bien, ça se peut que tant qu'on met des mangeoires à balles rondes sur une dalle de béton, ça prend plus de surface d'air de béton que si la mangeoire est longitudinale. Fait que qu'on mette une mangeoire sur le long, OK, c'est pas des mangeoires à balles rondes, c'est pas des mangeoires rondes, là. C'est une mangeoire faite sur le long de l'aire d'alimentation, puis qu'on soigne, bien, ça prend moins de surface d'élevage. Je vais y revenir avec des modèles d'aménagement un peu plus tard là, qui démontrent là, qu'est-ce que je viens de dire. Là. Puis, toujours dans le guide, bien, ça donne quand même un beau tableau résumé de ce que ça prend comme surface. Un entrée d'hivernage à 120 mètres carrés par vache veau. D'un côté, tu as la partie sur-sol naturelle qui représente plus que 75 % de l'enclos. Puis d'un autre côté, tu as la partie qui est réservée pour les périodes critiques, c'est-à-dire l'air à portance améliorée, OK, où ce qu'on va avoir entre 12 et 20 mètres carrés par vache veau, c'est-à-dire 120 à 200 pieds carrés par vache veau environ, là, un petit peu plus. Là. Mais tu sais, le rapport, on peut dire, là, c'est un peu plus que... Tant qu'on convertit des mètres carrés en pieds carrés, on multiplie par 10,7, là, mais en multipliant par 10, ça donne quand même un bon aperçu là, en pieds carrés. Si vous voulez visualiser un peu mieux en pieds carrés, vous êtes plus habitué en pieds carrés, bien, vous multipliez par 10, vous avez quand même un bon aperçu. Fait que selon ce que vous allez voir, les options 1, 2, 3, 4, selon si l'aire d'alimentation est couverte ou non, bien, il y a des pieds carrés qui sont mis, puis qui, en fin de compte, qui ont été pigés dans le fameux tableau qu'on a produit en 2019 là, pour les tables froides. Là, ben, les aires de couchage qu'on met ici couvertes dans les enclos d'hivernage ont les mêmes grandeurs que pour un étable froide fermé puis qu'il y avait une aire de couche dans cette étable-là. Ben, les recommandations pour ça sont les mêmes. Ça.
Bon, maintenant, je vais vous présenter quelques modèles d'aménagement. Je vais vous présenter trois installations d'élevage, OK? Où est-ce que je vais bonifier finalement ces aménagements-là pour qu'ils soient encore plus efficaces au niveau du travail. Donc, le premier, je parle d'aires d'alimentation. Ici, c'est plus pour démontrer les aires d'alimentation qui sont gelées en enclos d'hivernage. On parle de l'air à portance améliorée. Là. Donc, on a une partie air de couchage, une partie air pavé bétonné. Un peu comme je disais tantôt, si on regarde, si on met quatre mangeoires pour environ 50 vaches, bien, au total, c'est à peu près 75 pieds carrés par tête. À peu près 7,5, pas loin, même pas loin de 8, parce qu'il y a une zone d'à peu près de 8 pieds, 8 à 10 pieds, qu'on pourrait dire, là, qui sert de transition entre la partie en sable et la partie bétonnée. Fait que ça, c'est important de l'avoir, sinon ça va être une zone de piétinement, ça va être une zone boueuse là, entre les deux zones. Fait qu'il faut vraiment que le sable embarque sur la dalle de béton. Fait que ce qui fait que pour les animaux, on a 60 d'aire d'alimentation, 60 pieds par 60 pieds. Mais en réalité, on a plus 68 par 60 là, si on calcule la zone de transition. Là. Ce qui donne à peu près 85 pieds carrés par tête. Si on a une mangeoire longitudinale, OK, là, dans ce cas-là, ça prend moins de pieds carrés par tête. Ça c'est des dimensions pour un troupeau de 36 vaches, mais on regarde en termes de pieds carrés, là, bon, on est à 56 pieds carrés par tête, au lieu de ce qu'on avait dit tantôt, là, c'était 7,5, je crois. Fait qu'on a au moins un bon 20% de moins de surface d'élevage, surface d'air d'alimentation, tant que la mangeoire est de longitudinale. OK? Le 67, c'est parce qu'il y a une surface qui sert, oui, aussi pour les animaux, là, mais qui ne sert pas à la mangeoire, là, parce que c'est l'entrée pour aller gratter, pour aller. Il y a l'entrée au bout à droite, comme vous pouvez voir sur le 16 pieds, c'est la porte d'entrée pour aller gratter l'air d'alimentation, puisqu'il n'y a pas de mangeoire. Puis, l'avantage d'une mangeoire longitudinale, c'est que celle-là, tu peux l'abattre, là. Fait que tu peux mettre, par exemple, des ballerons pour plusieurs jours d'alimentation sans revenir, ou que ce soit du foin lousse, ça serait la même affaire, une RTM, ça serait la même chose. Là. On peut en mettre plus. La longueur de la mangeoire, vous avez vu, là, j'ai mis 28 pouces par tête, là, ça pourrait être peut-être plus 30 pouces, là, mais c'est les longueurs qui sont proches là, de ce qu'on demande. Ici, c'est simplement une mangeoire où les mangeoires sont pas sur la dalle de béton, sont sur la dalle de béton, mais sont accessibles par l'extérieur avec le tracteur. Fait que, avec une affaire comme ça, ben, on arrive à peu près à 66 pieds carrés par tête. Ça prend moins encore d'air bétonné pour garder les animaux sur l'air pavé, sur l'air d'alimentation, je veux dire. Puis la seule difficulté dans ce cas-là, c'est bien sûr l'écurage, parce que là, écurer avec des obstacles, c'est un peu comme écurer sur une grande dalle de béton parce qu'on a une mangeoire à balle ronde. Il faut la tasser. La mangeoire à balle ronde, ceux-là, ben, sont difficilement tassables. Il faut jouer avec des barrières, ouvrir des barrières. Là, je n'ai pas fait l'aménagement au complet, là, mais il faut plus jouer avec un jeu de barrière pour pousser le fumier et après ça, le gratter sur le long. C'est un peu plus compliqué pour l'écurage. Mais pour l'alimentation, ça va très bien. Ici, on a la même chose, mais avec plus de balles dans une mangeoire, ce qui permet finalement, dans ce cas-là, l'autre tantôt, c'était bon pour une journée, fait qu'ici, on alimente pour au moins deux jours. Là. Et on est encore dans des surfaces qui sont quand même faibles pour les besoins. Là. Si on regarde l'étape froide, je vais montrer un aménagement d'étape froide. Okay? Puis quand je parle d'aménagement, nécessairement, moi, j'inclus le corral, la manutention des animaux, parce qu'il faut que ça soit dans le même environnement que l'aire d'élevage, la partie où on manipule les animaux. Si c'est dans un environnement différent, c'est qu'on ajoute un stress aux animaux. On essaie soit de mettre le système, le corral, dans l'aire d'élevage lui-même ou juste à proximité de l'aire d'élevage. Fait qu'on va parler plus dans ce cas-là de bâtiments multifonctionnels. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, bon, comme j'ai dit qu'on parlait de corral, de maintenance des animaux, je vais juste faire une petite revue là-dessus. C'est que, vous savez, on a le corral standard, parce qu'on a une barrière poussante puis qu'on a un entonnoir. Je vais juste le reprendre ici. On a l'entonnoir, ça c'est un modèle, puis on a
avec la barrière poussante, mais un qui est en forme de demi-lune, puis l'autre en forme d'entonnoir. Mais le principe dans ce cas-là, c'est toujours une barrière pour pousser les animaux, okay, vers le couloir de contention. Le bot box que vous avez vu, c'était très popularisé dans les 10-15 dernières années. Bien, le bot box, le principe est complètement différent. Si on ne pousse pas les animaux, c'est qu'on profite de l'instinct de fuite de l'animal pour le déplacer vers le couloir de contention. Okay, ici, bon, on sert du couloir d'emmener, okay, puis qu'on peut servir aussi comme pack de triage parce qu'on a plusieurs barrières. On emmène juste le groupe d'animaux qu'on a besoin. Puis, en fait, la personne en se déplaçant, bien, les animaux rentrent dans le couloir de contention jusqu'à la cage de contention, jusqu'à la balance pour sortir. Ici, bien, c'est un aménagement que j'avais déjà fait chez un producteur en Beauce, là, qui est sur vidéo d'ailleurs, que peut-être plusieurs ont vu également. Là. Fait que l'aménagement du corral avait été fait, pas dans les bâtiments qui sont les animaux, mais justement, à proximité du bâtiment, on voit les deux portes de garage, là, ben, c'est deux bâtiments où il y avait des animaux, puis qu'il y avait de la transition entre ces deux bâtiments. Là. Fait que les animaux étaient très habitués de passer d'une porte à l'autre. Fait que le corral, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est le corral qui a été aménagé là, dans cette aire-là. On voit ici le corral, le plan du corral. Si on regarde, on a une allée de circulation, direction vers l'étable ou vers le bot box. Puis, les animaux rentrent dans le couloir de contention. Et enfin, il y a une barrière de tri qui permet de diriger les animaux soit vers le retourner dans le corral, le retourner vers un autre bâtiment, vers le pâturage. Ce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Donc, je vous présente la vidéo. Le bot, celui qui a finalement popularisé ce système-là. Ce qui m'a motivé, c'est que je voulais avoir primaire de la facilité à transférer mes animaux. Là, j'étais rendu à l'étape de mettre une clôture. Puis là, je me disais, faudrait manipuler les animaux encore mieux que ça. Donc, c'est là qu'il m'est venu l'idée du corral bot box. Puis, je n'ai parlé un petit peu avec une personne du MAPAC, puis avec Jeannot. Puis, c'est là est venue l'idée de faire carrément un bot box. Il m'a parlé du bot box, puis ça a été un intervenant important dans le processus de ça. Là, il m'a fait connaître Alain aussi pour la conception du bot box. Puis, avec un corral comme ça, qui prend pas nécessairement beaucoup d'ampleur côté du terrain, ben ça m'a permis de faire de quoi de bien, qui me sauve beaucoup de temps, que je suis capable de travailler seul. On a le bot box qui est ici, où ce que le rassemblement se fait pour les animaux. Un corridor de contention qui se trouve ici, avec un marchepied pour quand on fait la manipulation avec le vermifuge puis les soins apportés aux animaux, souvent ça peut se passer dans le corridor de contention. Il y a des trappes anti-recul qui sont faites pour bloquer les animaux quand on a juste deux têtes en avant ou on a trop de mains. Ce que j'ai remarqué de bien important, c'est d'avoir nos outils proches toujours pour faciliter la contention. On a une porte ici qui est plus spéciale pour faire rentrer un animal à l'intérieur. Je referme automatique à cause de la dénivelée. Puis après ça, on a la cage de contention. La cage de contention est munie d'une balance. Puis c'est une cage de contention de type un peu taille sabot, du fait qu'on est capable d'apporter des soins plus facilement aux animaux. Puis on a la barrière de tri ici pour la sortie, qui est complètement modifiable. On peut faire aller soit les animaux tout droit au champ, soit de ce côté-ci, ou vers l'enclos de rassemblement, qu'on tombe ici avec les animaux qui sont là. On a deux barrières là, qui servent dans le fond à capturer les animaux.
espace, un autre espace pour trier des animaux qui peuvent être ici. On peut en ressortir quelques-uns. C'est terminé. Fait que je voulais vous montrer je voulais vous montrer tout l'aménagement, tous les aménages que je vais faire par la suite. C'est basé sur ce plan de corral-là, là, qu'on va voir. Et que ici, je pourrais vous montrer aussi c'est un... Oups, je pense que je ne l'aurai pas. De toute façon, c'est un aménagement que j'avais pris en vidéo. Je vais voir si je peux l'avoir. Là. On dirait qu'il ne veut pas. Là, bon, ben, il ne veut pas. Mais ce n'est pas grave. C'était un aménagement mais à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on voit encore un bot box, mais le bot box, il est à l'intérieur du bâtiment et non pas à l'extérieur, avec un couloir de contention qui mène, là, mais basé sur ce même plan-là. Mais mettez-le à l'intérieur. Puis, ce qu'on voyait sur cette vidéo-là, c'est un animal qui se retourne contre l'éleveur qui est en train de les manipuler. Fait que, ça peut arriver, là. Dans les cas des chorales traditionnelles, il n'y a pas ce phénomène-là. Mais dans le cas de... Parce qu'il y a toujours une barrière entre la personne et les animaux. Mais dans le cas d'un bot box, il n'y en a pas. Fait que là, moi, j'ai fait un plan spécial où j'ai rajouté des barrières ajourées. Des animaux de voie, mais il y a toujours quand même une barrière. Puis ça permet le même déplacement, là, si on regarde, le même déplacement qu'avant. Mais sauf qu'on a une barrière... On a une barrière de 12 pieds entre l'éleveur, le manipulateur et les animaux. Puis si jamais les animaux ont tendance à vouloir rester dans le bot box, bien, il y a toujours moyen de pousser la barrière, OK? Puis finalement, de pousser les animaux vers le couloir de contention. Bon, là, je vais parler maintenant de... On a vu c'était quoi la contention, de qu'est-ce que je vais utiliser. Si on construit un bâtiment seulement pour les veillages, au fond, là, c'est comme beaucoup d'investissements pour une petite période de l'année. Fait que juste de faire un bâtiment qui sert au veillage, en tout cas, ici, c'est pas pratique. Là. On peut avoir, dans ce cas-là, de rendre ce bâtiment-là multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il va servir à plusieurs fins. Bon, en mode élevage, bien là, c'est simplement une étable, OK? Fait qu'avec ses parcs de veillage, son aire de couchage, son aire d'alimentation, son aire de l'allée d'alimentation, le côté mangeoire, là, comme c'est fait de façon traditionnelle. Ensuite, en mode veillage, bien là, un peu comme on l'avait monté dans des plans auparavant, bien les fonds de parc pourraient servir de parc de veillage. Puis les animaux qui sont en attente de veiller ou les animaux qui viennent de veiller, qui sont avec le jeune veau, bien, ils servent du parc en avant où ce que les vaches ont accès à l'aire d'alimentation. On voit qu'on peut même, là, on utilise comme quatre parcs. Ça, c'est un type d'aménagement. Mais on pourrait aussi de diviser de cette façon-là, hein. C'est tout des barrières de 12 pieds, fait qu'on fait des parcs. Dans ce cas-là, même, ils pourraient en avoir 8, là. Je ne sais pas, je l'ai fait à 8, là. Mais vous imaginez qu'on pourrait faire 8 parcs de veillage dans ce bâtiment-là de 50 par 50. Là. Puis, dans ce cas-là, vu qu'il y en a 4, bien, les deux autres parcs qu'il y a à côté, bien, c'est encore là des parcs d'attente ou des parcs avec des vaches fraîchement veillées. En mode bot box, OK? Là, on a juste pris une des barrières mangeoires qu'on a glissée, okay, dans l'allée d'alimentation, puis ça a formé, puis on a rajouté une barrière, puis ça a formé le bot box. Si les animaux viennent de l'extérieur, bien, on va faire un corridor, okay, qui vient soit des pâturages, qui vient d'enclos d'hivernage. Fait qu'on met un corridor permanent, on rajoute deux barrières, puis on peut rentrer les animaux dans le bot box. Fermer la barrière, puis l'emmener vers le couloir de contention. Si les animaux sont à l'intérieur de la bâtisse, bien, on peut juste comme ouvrir une des barrières, parce que là, on a le parc direct, là, les animaux rentrent dans le bot box pour le parc qui est à l'extrémité droite. Mais sinon, bien, on fait juste tasser les barrières de séparation des parcs pour emmener le groupe d'animaux qu'on veut avoir d'un des trois parcs qui restent là, vers le bot box. On a vu, c'est ça. Fait que, donc, c'est un bâtiment qui est vraiment multifonctionnel. On a la manutention des animaux, on a le veillage, puis on peut faire de l'élevage, puis on peut vraiment faire de la semi-finition pendant que les animaux sont au pâturage. Fait que c'est un bâtiment qui est utilisé à l'année. Fait que là, il devient plus rentable. Puis vous avez vu aussi,
bon, on s'offre un peu le luxe d'avoir un bureau, l'eau chaude. Si vous regardez en bas à gauche, là, il y a toujours le fameux comptoir, la salle de lavage là, à côté de la cage de contention. Puis le couloir de contention, puis la cage, eux autres sont toujours là en permanence. Bâtiment multifonctionnel, bien, toujours le même bâtiment. Ça, c'est un autre bâtiment. Celui-là, je ne l'ai pas présenté, là, mais c'est un autre type d'aménagement où ce que les ballons sont rentrés à l'intérieur, puis c'est juste une broche électrique, là, un peu à la méthode qu'on voit aussi en Abitibi, là, broche électrique, puis accès des qui sert simplement de mangeoire. Là. C'est la broche électrique qui sert de mangeoire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment aménager ça pour mettre un corral à l'intérieur. Fait que, avec des abreuvoirs à chaque extrémité, bien, ça permet aussi de faire des parcs variables. Okay? Fait qu'on peut séparer la barrière du centre et l'emmener un peu à droite, un peu à gauche, selon le groupe d'animaux. Puis, l'autre affaire, c'est qu'en mettant des abreuvoirs aux extrémités, bien, ça permet d'avoir un couloir de contention là, en plein centre comme ça. Juste avec un jeu de barrière, on a un couloir de contention, puis on peut sortir les animaux là. On les emmène finalement dans l'allée d'alimentation, l'allée de grattage. Là. Puis, on les rend dans le bas de box, puis là, on les sort, puis on peut les laisser en dedans comme les sorties dehors. Fait que si on le regarde avec une vue de côté, ben, le couloir de contention, il est juste entre l'aire de couchage et l'allée de grattage. Ça, c'est avec le modèle traditionnel, si on peut dire. OK, puisque la mangeoire est en dehors, mais une étape froide d'ouverture avec une mangeoire extérieure. Donc ici, je vais prendre un aménagement, je vais faire un aménagement. Ça va être le dernier qu'on va voir pour la présentation. C'est, en fait, c'est une aire d'alimentation couverte qui fait partie d'un enclos d'hivernage. L'enclos d'hivernage est en arrière du bâtiment. Bon, c'est de la neige, mais c'est un enclos d'hivernage. Puis, on a l'aire d'alimentation qui est là. On voit que le toit est quand même drôle, là. Mais si le toit est rose, peut-être normalement, on aurait dû voir un toit un peu comme ça. C'est parce que le producteur, lui, dans son idée, c'est de doubler la bâtisse pour en faire une mangeoire centrale avec deux aires d'alimentation de chaque côté. Fait que c'est pour ça que la toiture est comme ça actuellement. Fait que donc, on a une mangeoire, une aire d'alimentation qui est environ 20 ou 24 pieds de large avec une mangeoire longitudinale. À laquelle on ajoute un corral. Finalement, c'est un corral même avec une toiture par-dessus, c'est-à-dire qu'on prolonge les chevrons de la bâtisse en arrière, puis on couvre le couloir de contention, puis la cage de contention. Tandis que le bas de box, lui, est complètement à l'extérieur, là, pour ne pas prendre trop de place. Fait que, tant que les animaux sont à l'arrière, on bloque. On met deux barrières, par exemple, là, au bout de la bâtisse pour amener les animaux vers le bas de box. Ensuite, là, on a vu qu'on peut manipuler les animaux. On s'est mis un corral à l'intérieur pour manipuler les animaux. Comment qu'on pourrait faire encore pour ajouter des éléments pour faciliter la séparation des veaux des mères? Là, je vais vous présenter un petit vidéo. If you have adjacent to the pen that they're in, another pen sitting there, sort of an alleyway, you can sort of stand right by the gate there and cows will drift past you. You can let the calves then drift into the other pen if you simply remove the bottom two rails. It's just so easy to do because a calf is more hesitant or fearful than cows normally. And you can just have just a subtle little move and stop a calf. And a cow will keep coming. So you don't have to wave and jump or move into them. Just a little head bob sometimes, and a calf will see it and freeze, and a cow will keep moving. And if you can let them just walk naturally, walk past you, the cows will pick the easiest route, and the calves, because you're blocking their way, then they will duck under and go under the rails, and then they both just drift past you out of your way, and you can keep that process going. You can sort hundreds of cows. In minutes, it's incredible how well that can flow. Bon, fait que vous avez vu, pour la séparation des veaux des mères, c'est une façon très facile de séparer les veaux des mères. Fait que ce qu'on va faire comme aménagement, tout simplement, c'est qu'on va rajouter un couloir à côté du bot box. Finalement, c'est le bot box qui va servir de parc à veaux. Okay, parce que les veaux vont être pris. Puis à côté, dans ce couloir-là, à droite, c'est les vaches qui vont passer puis ils vont s'en aller soit vers le pâturage ou vers un enclos d'hivernage ou vers un autre enclos. Okay. C'est comme ça qu'on va l'aménager.
Pour ça, ben, les barrières du corral, on les change de place. Puis on change la barrière qui ferme le corral, on change par une barrière de tri, c'est-à-dire la barrière à deux barres horizontales, là, assez haute, là, à peu près à la hauteur du garrot du veau, là, à hauteur de en haut des épaules du veau. Là, fait que c'est à peu près ça la limite. Il ne faut pas que la vache passe, mais il faut que les veaux passent bien. Fait que normalement, tu prends une barrière puis qui permet aussi de l'ajuster en hauteur selon la grosseur des veaux. Mais même là, en autant que ça soit plus bas et qu'une vache ne puisse pas passer, mais que le veau passe. Fait que si on vient à ce qu'on a vu tantôt, dans le couloir, à votre droite, complètement haut jusqu'à le couloir, c'est là que la personne se place pour faire peur aux veaux puis qu'ils passent par le bas de box, puis les vaches, eux autres, vont passer à côté de la personne qui sélectionne les animaux. On voit les vaches avec le veau. Le veau, il est pris en souricière dans le bas de box, puis la vache, elle continue vers, comme j'ai dit tantôt, vers un autre enclos. Maintenant, on a vu qu'on a mis un corral, on a mis un système de tri. Puis là, on pourrait même rajouter, toujours avec l'aide d'alimentation couverte, là, mais là, on rajoute, pour que ça soit encore plus fonctionnel, un parc de vêlage isolé au bout du bas de box. On rallonge encore les trosses un peu, puis faut que le mur soit quand même assez haut, là, mais on rajoute la trosse, c'était, on rajoute à peu près 14 pieds, 16 pieds de plus, là, c'est à peu près 4 pieds de passage, plus à peu près 12 pieds de parc, ça donne à peu près 16 pieds de profond, okay, pour les parcs de vêlage isolés. Là. Fait que s'ils sont isolés, bien, on peut même encore là rajouter de l'eau chaude, etc. Que ce soit par électricité ou par propane, là, dépendant si on est capable d'emmener l'électricité ou pas. Puis, ben, l'avantage de l'avoir au bout du corral, ben, si on a besoin d'infirmerie, il y a un animal qui a besoin d'être soigné puis d'être gardé dans un enclos, ben, il est tout de suite là à côté. Là. Que, ça aussi, là, ça peut servir à plusieurs fins, ces parcs de vêlage-là. Puis, si on revient à notre bâtiment d'avant, ben, tout ça est installé en arrière de la bâtisse. C'est parce qu'on a indiqué la flèche. C'est là qu'on place là, toutes nos installations de corral, de parc de vêlage et de bas de box et barrière de tri. Et sur ce, ça finit ma présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis j'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Merci.